Vincent Aboubakar est gravement blessé, les gars. Ça s'annonce pas très bien. Le Cameroun entier retient son souffle. Vincent Aboubakar, le capitaine des Lions Indomptables, s'est blessé gravement aux entraînements. Il souffrirait, hein, selon les premières informations, d'une blessure musculaire. Imaginez un peu l'angoisse à quelques heures du match des Lions, un match qui est déjà capital, le match contre la Guinée. La star du football camerounais, notre Abouchou national, le seul attaquant qu'on a, souffre d'une douleur à la cuisse. Alors qu'il n'a presque pas de remplaçant, on n'a pas appelé Choupo-Moting, Mbeumo est blessé. Aboubakar fera des examens approfondis aujourd'hui même et tout le Cameroun retient son souffle. Bienvenue dans la quotidienne. Sur cette chaîne YouTube, je parle d'actualité, je parle de motivation et je parle également de culture africaine. Ce sont des sujets qui te parle, abonne-toi, clique sur la cloche de notification plus bas pour ne rien rater des infos qui t'intéressent et puis on y va. Cette blessure d'Aboubakar n'est pas simple selon moi. Et si on lui a seulement lancé ça, bref, en tout cas avec les Ivoiriens là, dans leur sol là, on ne sait jamais. Ce n'est pas une éventualité qu'il faut exclure, les gars. En tout cas, ça met en lumière une question délicate mais cruciale. Comment Rigobert Song va-t-il gérer l'absence soudaine de son meilleur attaquant? C'est un défi que beaucoup de personnes sous-estiment, mais qui peut transformer radicalement la dynamique d'un groupe et ses performances sur le terrain. Quelles sont les options que Rigobert Song a en cas de forfait d'Aboubakar? On est quand même dans le même groupe que le champion en titre. On doit gagner au moins deux matchs pour espérer une qualification. Et là, on n'a pas d'attaquant. Comment est-ce qu'on va faire ça? La CAF permet aux équipes d'appeler des joueurs suppléants jusqu'à 24 heures avant le premier match de la compétition. Mais qui est-ce qu'on va appeler? Dites-moi un peu. Dites-moi ça en commentaire si vous avez une idée. En tout cas, quand une star ou une pièce maîtresse de ton équipe est blessée, c'est l'occasion pour les autres joueurs de briller. On a vu hein, avec le cas du milliardaire chinois hein, à CAN 2017. Chaque joueur doit voir ça comme une opportunité de prouver sa valeur et d'élever son niveau de jeu. Sur le plan mental, un coach efficace sera motivé et recentrer son équipe en insistant sur l'importance de l'unité et de l'objectif commun qui est de gagner cette CAN. Il s'agit donc ici pour Rigobert Song de réajuster sa stratégie pour maximiser les points forts des joueurs qu'il a à sa disposition et qui sont capables de rentrer sur le terrain. Mais est-ce que Song a cette envergure-là? En tout cas, on attend encore un hein, depuis qu'il a pris les rênes de cette équipe. Et moi, j'attends vos avis en commentaire. Dites-moi, est-ce que Song a cette envergure-là? Comme dans le football, la vie nous réserve parfois des surprises ou bien des blessures inattendues, un peu comme celle d'Aboubakar. C'est notre capacité à nous adapter, à trouver de nouvelles forces et à faire front ensemble qui détermine notre succès. Les Lions ont quand même gagné la CAN 2017 avec un vendeur de chaussettes comme Dick Tambay. Le gars était titulaire en pointe pendant toute la compétition. Mais il n'a jamais marqué ni en club ni nulle part. On dirait qu'il a seulement monnayé sa place de titulaire dans cette équipe-là en 2017. Aboubakar Vincent, qui était remplaçant à cette époque-là, c'est pourtant lui qui est entré nous donner la victoire. Vous vous souvenez, le fameux but contre l'Égypte. Donc, restons unis, soyons résilients et soyons prêts à relever tous les défis. Sinon, on est mort avec les Ivoiriens parce qu'ils ne vont pas nous faire de cadeau. Et vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a un bon attaquant sur le banc pour remplacer Aboubakar au cas où? Doit-on rappeler Choupo-Moting ou encore, je ne sais pas, Lamkelze en cas de forfait d'Aboubakar? Dis-moi ça en commentaire et abonne-toi pour ne rien rater de la suite de cette aventure. Et rejoins-moi hein, dans cette vidéo où je te parle des 10 business les plus rentables à mettre en place lors de cette CAN 2023, même si tu n'es pas en Côte d'Ivoire. À tout de suite.